Mais Simba qui est dans le zoo. Pour nous relever, il y a des gens qui sont oui. Et il y a des gens qui ont quitté. Mais il y a des gens qui sont solo. Tout acte est entré à la dépravation de mœurs et à l'atteinte à la dignité des Congolais punissable par la loi. C'est ainsi qu'après s'être battu sur le plateau des télévisions dimanche au cours de l'émission Carrefour Central à la RTGA, l'animatrice Karine Mokondi et le catcheur Edingue Motonangenge ont été interpellés ce lundi par les commissaires provinciaux de la police. Avant tout, les deux protagonistes se sont expliqués, écrit un scénario, il n'était pas question d'une bagarre à la télé. Erna talaka o basara na papa griffe erna rappela que c'est parce que nebi ke na solani bien pour na mbaba catcher ebele batala emission na mbaba comédien ba joueur ba tnyos mena sala ngote donc na singa parce que nebi ke a vienne ngo salaka na sepela na ce monsieur comme 2 minutes na suka après au saka le ko kolinga mais ba tnyos ba mon image na ndem même ko sika donc na ngamwe kam singa erba benga lelo na ko se retrouver awa parce que nga nebi même to mbaba comédien au salipe moi comédie na plateau. Il y a des chanteurs qui ont été chantés, qui ont été chantés, et qui ont été chantés. Il y a des gens qui ont été chantés pour les gens qui ont été chantés dans la jaquette. Informé du drame produit par ces spectacles qui a scandalisé bon nombre de téléspectateurs, le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, fixe l'opinion. Le métier de journalisme fonctionne avec des règles. Il y a ce qu'on appelle l'éthique, la déontologie professionnelle. Il y a des gestes qui se posent sur les plateaux de télévision. Et il y a des gestes qui ne se posent pas sur le plateau de télévision. Quels que soient les invités, quelle que soit la nature ou les actions à poser. Une bagarre occasionnée par un professionnel des médias. Les sanctions éventuelles sont donc attendues. L'animatrice sera convoquée par la commission de discipline, il y a M. Nabisso, pour la recadrer